Dans la sous-préfecture de Diego-Nefla, dans le département d'Oumé, le prix des denrées alimentaires cultivées juste aux alentours sont fixés au-dessus de la normale, selon la population. Diego, c'est un village, il y a beaucoup de campements aux alentours. Mais aujourd'hui, Diego-Nefla est devenu cher. On ne peut pas manger, on ne peut pas envoyer 5 000 même, on ne peut pas envoyer au marché. Le riz était à 250 le kilo, c'est devenu aujourd'hui à 650. Là-bas, de 200 est devenu 500, 600. Aujourd'hui, le marché de Diego-Nefla est devenu très cher à cause des vendeurs. Les vendeurs, ceux qui viennent sur le marché, eux vendent moins cher. Mais les vendeurs, elles sont très chères sur le marché. Ça fait que la ville de Diego est devenue chère. La Fédération des associations des femmes de Diego-Nefla, avec à sa tête Madame Sieto Thérèse, s'est réunie pour trouver une solution à ce problème. Les femmes sont ressorties donc satisfaites de cette rencontre en espérant que les approches portent des fruits.